Yo, bienvenue sur Eyes Off. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Baba parce qu'il a enfin atteint les 1 milliard de puissance. Parce qu'au début du KVK, j'ai dit ouais, ce serait une dinguerie s'il atteint 1 milliard de puissance. Et Baba a push 1 milliard de puissance, vous allez voir. Là, on va regarder le moment le plus intéressant du push ultime. C'est vraiment une dinguerie, vous allez voir, c'est hyper satisfaisant aussi. Mais en tout cas, je tiens à faire un petit coucou à Soviet Suprême qui est français, qui a parlé en anglais pendant 2 heures avec Baba. Voilà, GG à lui. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche de notification et à mettre un gros pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir sur ce bonne vidéo. Ok, on se retrouve sur le push-up. Donc là, il va vraiment envoyer tout ce qu'il a, il va éclater, vraiment, il claque un maximum de gemmes parce qu'il a 10 millions de gemmes. Vraiment, c'est juste une dinguerie. Donc là, on peut voir la puissance qui augmente là, ça... C'est impressionnant, toutes les troupes là, 2200, brrr, ça monte de fou. Genre, je crois que je vais lui refaire une reco après, et rien que pour voir comment est-ce que ça s'est amélioré. Ça, c'est vraiment un truc de fou. Donc ça, je vous fais la vidéo là, le lendemain où il a push son milliard de puissance. Bon, j'étais sur le stream, malheureusement, j'étais pas chez moi, donc j'ai pas pu vous record en live. Mais en tout cas, voilà, on peut le voir maintenant qu'il a push les 1 milliard de puissance. Bon, ça fait énormément de bruit, forcément. Voilà, je sais qu'il fallait quand même faire une petite vidéo pour ceux qui ne le seraient pas. Mais voilà, là, c'est vraiment trop... Le gars, il a 30 millions d'infanterie. Ouais, c'est d'infanterie. Ça va, c'est trop satisfaisant, vraiment. Il laisse appuyer là, ça fait 2000, 2000, 2000, 2000, ça va super vite, la puissance, elle monte à une vitesse de dingue. Ah, on va dire, ouais, voilà, il va faire un million, oh, ça il y a eu un crash, il va faire environ 1 million toutes les 10 secondes, ça fout un peu le seum, quoi, donc voilà, il fait toute la puissance en 110 secondes, ouais, ok, même pour les plus gros joueurs, ça doit faire bizarre quand même, c'est-à-dire que là, en fait, il push quasiment 150 millions de puissance, parce que juste avant, il a fait quelques troupes, parce que voilà, il a push pas direct, il a attendu 908 millions de puissance, il a fait déjà quelques millions, et là, il push 100 millions, comme ça. Il va arriver au 1 milliard, donc vraiment cap symbolique, le premier. On savait pas de qui ça allait être, entre Maverick ou Baba, mais là en ce moment Baba a l'air vraiment d'être chaud, surtout qu'il stream et tout, c'est vraiment bien, il fait des co-op avec d'autres youtubeurs, donc c'est vraiment cool, et son contenu s'améliore aussi. Donc là ça augmente, donc 920 millions de puissance, pff, dinguerie, hein. Vraiment une dinguerie, genre on sait même plus combien de gemmes ça coûte, mais ça doit coûter vraiment énormément de gemmes, parce qu'il a déjà perdu 1 500 000 gemmes, ça va trop vite, c'est abusé comme ça va vite, mais la puissance aussi, ok là il reprend, nickel, c'est vraiment fou, donc il fait que de l'infanterie pour l'instant, je pense qu'il va équilibrer par la suite avec bah, de l'archerie, de la cavalerie, sous de la cavalerie je pense, parce que voilà, il y a vraiment pas mal de commandants, bah, en fait il a tous les commandants, donc il nous faut à peu près tous les types. On peut voir aussi qu'il a énormément de ressources, c'est impressionnant, il a 15 milliards de chaque, enfin, par d'or et de bouffe, mais il a vraiment des ressources énormes. Donc là au moins on peut voir un peu combien de temps ça prend, bon avec des gros steaks hein, bien sûr, mais ça coûte 1 600 000 de chaque et 800 000 d'or pour faire 2000 troupes gold. Faut savoir aussi que juste avant il a claqué des 20 000, c'est-à-dire que dès qu'il fait une troupe ça fait 20 000 d'un coup, donc ça l'a vachement aidé aussi pour farm tranquille, mais là malheureusement je crois qu'avec les gemmes ça marche pas trop, c'est pour ça qu'il le fait d'ailleurs, et surtout qu'il en a pas à l'infini des machins qui montent jusqu'à 20 000 troupes par entraînement. On peut voir aussi que ça prend 1 jour et 9 heures. Bon, je pense que c'est parce qu'il a toutes les techs au maximum. Donc ça doit prendre beaucoup plus longtemps pour un débutant T5. Mais voilà. En tout cas, ça avance tout doucement. 930 millions. L'ascension. Ça doit fatiguer des appuis. Hein. Ah, c'est n'importe quoi. Clairement, 2 500 000 gemmes dépensées. Je pense qu'il a bien calculé son coût. On va quasiment tomber à sec peut-être. Peut-être pas à sec sec. Mais vraiment, là, ça va vraiment faire du mal. En tout cas, pour moi, il a déjà commencé à perdre 1 milliard de chaque ressource. C'est trop. C'est beaucoup trop. C'est vraiment des trucs démesurés. Quand nous, on joue, machin, truc, même des gros joueurs qui peuvent être sur la vidéo, qui ont 100 millions, 200 millions, voire plus. Quand tu vois ça, quoi, c'est juste... Déjà, c'est trop satisfaisant. Et c'est frustrant à la fois aussi. Quand tu dis toute la puissance accumulée au fur et à mesure, lui, il laisse appuyer. Voilà, mais il prend tout. C'est vraiment une dinguerie. Vraiment, c'est... Je sais pas combien ça a dû le coûter. C'est 10 millions de gemmes. C'est trop. C'est 10 millions de gemmes. Ça a dû coûter tellement, tellement cher. Mais bon, apparemment,
Il a l'air insolide, surtout maintenant il y a une chaîne YouTube, même si c'est pas avec une chaîne YouTube de 20 000 abonnés maintenant, qui va rembourser tout ça, c'est vraiment pas possible. Même avec 20 000 abonnés, tu vas pas rembourser, je pense là ça se compte vraiment quasiment en millions d'euros maintenant avec tout ce qu'il a mis, voire même plus. Donc tu fais pas 1 million d'euros avec une chaîne à 20 000 abonnés, vraiment pas du tout même. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que son contenu s'améliore. Il avait réussi à avoir les 10 000 abonnés comme ça, sans faire du contenu forcément ouf. Et là, bah, vraiment, c'est beaucoup mieux. Il stream avec des personnes. C'est vraiment propre. Bah, il utilise Streamlabs comme moi, mais sous une autre forme. Je pourrais utiliser aussi comme ça. Mais le truc, c'est qu'il a aussi son chat qui marche pas pour l'instant. Mais ça se comprend parce que c'est toujours un début. Voilà, ça peut pas marcher nickel, les icônes, dès que quelqu'un se sub et tout. Ça, c'est totalement excusable parce que bah voilà, c'est dès le début, on peut pas être opérationnel et tout. Mais franchement, ça fait plaisir de voir de la qualité qui augmente de son côté. Ok, donc effectivement, il a racheté des gemmes, 270 000 échelles. C'est n'importe quoi. Ok, bon, mais il va finir sur de la cavalerie T5, tranquillou. 26 millions, allez, bam, ça claque des gemmes, ça descend. Ouais, attention le million. Oh là là là, aïe aïe aïe, 999 885 485. 1 milliard de puissance sur Rock, 1 milliard de puissance, oh là là, 1 milliard de puissance, c'est fou, vraiment c'est une dingue quoi, 1 milliard, ça c'est vraiment hyper petit quand on voit le truc, c'est tellement gros. Donc là, il est super content d'avoir enfin ses 1 milliard de puissance. C'est vraiment juste une dinguerie. C'est ouf. Bon, Maverick, on compte sur toi. T'as intérêt à faire mieux. T'as intérêt à avoir plus qu'un milliard de puissance là. Go to 10 milliards de puissance. Bon, c'est bon, on va arrêter de s'enjailler. Mais en vrai, ça serait bien que Maverick aussi perf un peu. Oh là là. Bon, il est à fond. Il est clairement à fond. Je comprends aussi. 1 milliard de puissance. C'est même pas des millions, c'est 1 milliard quoi. C'est impressionnant. Ok les gars, on se retrouve sur la ville de Baba. Alors déjà, j'ai un truc à faire remarquer. C'est sa plaque de nom. Je sais pas d'où est-ce qu'elle sort. Genre c'est une plaque de nom, peut-être qu'on peut la voir, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, je ne l'ai jamais vu, même s'il y en a plein qui viennent d'apparaître actuellement. Mais en tout cas, je ne l'ai jamais vu, sa plaque de nom, comme ça. J'ai cru aussi que le château était unique, mais il y a plein de personnes autour qui l'ont. Mais je pense que c'était peut-être dans le coffre spécial qu'on avait vu. Et on peut voir les 1 milliard de puissance. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Mise à mort, 520 millions. Ok les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a un peu constaté l'ascension de Baba jusqu'au milliard de puissance. Je vous ai cut pas mal de moments parce que c'était pas hyper intéressant, c'est-à-dire c'était du pure farming, on balance de la gemme, ça fait des troupes, c'est bien regardé, mais aussi dès que ça dure une demi-heure, ça commence à faire un peu long effectivement. Donc là j'ai décidé de vous raccourcir, d'en laisser un peu, mais n'hésitez vraiment pas à aller voir la rediffusion du live, vous allez vraiment faire plaisir aux yeux parce que bah, déjà c'était très convivial le live, il parlait pas que de Rock, c'était vraiment, il y avait pas mal d'interactions avec la commu. Et aussi voilà, du farming intensif, de la gemme qui est claquée, de la ressource, du T5, vraiment très très satisfaisant tout ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, c'était Rise Off, ciao.